Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live sur la chaîne de Adobe France. Je suis Atom et je suis avec mon ami Paul Gros. Comment allez-vous, Paul Gros? Ça va très bien. Ça va nickel. Alors aujourd'hui, on va faire du Substance Painter, qui est un logiciel de base de chez Allegorithmic, qui est maintenant passé, eh bien, dans la famille Adobe. Donc c'est pour ça qu'on va vous l'aborder aujourd'hui. Donc, Absolument. Paul, tu vas te présenter rapidos. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Ben du coup, moi je suis Paul Gros, je suis un ancien étudiant d'Art FX, donc je viens de finir mon cursus. Et du coup, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur ZBrush, Substance et tout ce genre de trucs. Donc là, OK. je vais vous expliquer rapidement en 1 heure comment utiliser Substance, les bases, essayer de voir si on peut pousser un petit peu un maximum. Cool. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec avec Paul, avant-hier, nous avons fait un live sur mon Twitch où on a modélisé Boo de Monstres et Compagnie en version un peu creepy, comme on est le mois d'octobre, ça fait un peu peur. Un petit peu plus réaliste. Exactement, en mode un peu photoréaliste. Et du coup, eh bien, Paul va nous expliquer comment il va texturer ça sur Substance Painter. Donc déjà, salut à tous, salut à Daniel, salut Storix, salut Tommy, salut Fifi la mort, salut Mystery et salut Robin Danos. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer. On a une petite heure tous ensemble. J'essaye de Ouais. regarder le chat aussi sur Behance parce que vous pouvez aller sur Behance pour interagir et découvrir de nouveaux talents aussi sur Behance, c'est très cool. Salut Delphine, salut Jamila, salut Greg. Donc c'est parti, donc on va basculer sur mon écran. Il n'y a pas de Incroyable. son, comment ça se passe? Voyons ce que ça va être bon à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça doit être un bordel à tout gérer, quoi.
Faites les mimes sinon. On parle en langue des signes. Ah, c'est bon, nickel. C'est bon ? On a du son. Incroyable. Ah, c'est bon. Du coup, oui, qu'est-ce que tu fais du coup ? Donc, on reprend avant que ça coupe. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es passé de ZBrush, qui est un logiciel de modélisation, à Substance pour que les deux fonctionnent ? Qu'est-ce qu'il y a de très important à faire quand tu passes de ZBrush à Substance ? Ben, quand tu modélises sur ZBrush, la plupart du temps, ton modèle, il est vraiment très high poly. Donc là, moi, j'étais à… High poly, en gros, c'est une bonne qualité. Voilà, c'est ça. J'avais une 30 millions de polygones, donc de petits carrés. Ça fait beaucoup et le logiciel n'arrive pas à l'encaisser. Et même après, pour des étapes de prod, comme de l'animation, quoi, c'est vraiment pas possible. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle une rotopo. Donc, c'est récupérer le modèle et en faire un low poly. Donc, comme on peut le voir ici. Quoi, comme, voilà, c'est ça. Donc, on voit vraiment le maillage. C'est pas beau, c'est pas propre, c'est normal. Et après, donc, on pourra importer ce modèle-là dans Substance et rebaker, donc projeter les détails du high poly sur le low poly pour récupérer tous les détails. Vous allez voir, je vais le faire. C'est pour travailler d'une manière plus efficace et plus simple. C'est pour optimiser tes scènes et pouvoir travailler assez vite. Parce que sinon, il faudra attendre vraiment souvent. Et c'est pas ce qu'on désire. Donc là, on bake. Donc là, c'est la taille de nos maths. La qualité de nos textures. Et on vient ici récupérer notre high poly, le mettre ici. Et c'est parti pour baker. Donc là, ça peut prendre quelques minutes. Ok. Et en fait, là, il va reprojeter la qualité qu'il y a sur le gros mesh sur celui rotopo que tu as fait en petits cubes. Donc, quand j'ai zoomé tout à l'heure, vous voyez les petits carrés. En fait, ça, c'est le maillage de notre modèle 3D. C'est les polygones. Voilà. Et dans le high poly, il y en a 50 millions, non, 30 millions de petits carrés comme ça, de petites faces. Et là, tu sais combien tu as rotopo là, à peu près, combien il y avait de… Alors là, je sais pas du tout. Je dirais 30 ou 40 000. Ça va, c'est donc, une bonne roto. Tu t'enlèves quelques zéros, quoi. Il y a StereoX qui nous dit tu avais remesh avec ZBrush. Alors, j'ai fait un Z-remesh du coup sur ZBrush que j'ai repris après dans Maya pour recaler un petit peu tout pour que ce soit un petit peu plus propre. Parce que c'est vrai que Z-remesh de ZBrush est très efficace, mais il faut quand même récupérer un petit peu, retravailler ça pour ensuite refaire les UV. Ok, les UV d'ailleurs, c'est une partie importante. Hein. Et oui. J'ai aussi commencé une base d'UV sur ZBrush parce que ça me permet d'économiser pas mal de temps. Mmh. Et après, c'est pareil, je reviens sur Maya, je récupère mes UV, je les agence bien comme il faut. Et c'est quoi les UV, Paul ? Alors, c'est quoi parce les UV ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait de la 3D ici. C'est vrai, moi, j'ai trop l'habitude. Mais du coup, les UV, c'est mettre à plat ta modée. En gros, tu as ton mesh, donc ta modélisation. Et tu vas faire des coupures à des endroits pour pouvoir aplatir ton objet, pour pouvoir coller une texture dessus en fait. C'est un patron en quelque sorte. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu fais des coupures et c'est comme si tu le mettais à plat. Et c'est là-dessus qu'en fait, Substance, tu vas pouvoir peindre dessus. Là, on le voit sur l'écran, du coup, à droite, ici, là, ça fait une texture à plat et tu vas voir ton… Là, c'est assez simple parce que c'est une sphère, du coup, ça te fait un truc carré. Mais sur des parties un petit peu plus complexes, tu vas voir que c'est un petit peu plus joli. Mmh. Et du coup voilà, donc en gros, pour texturer un objet 3D, il faut avoir une bonne topologie et une topologie efficace aussi, et avoir des UV dépliés nickel, des bons UV, c'est pour ça que je n'utilise pas Substance parce que mes UV sont nuls parce que c'est quelque chose qu'il faut s'appliquer. SB fait automatiquement l'occlusion ambiante. Alors Substance Painter génère l'occlusion ambiante, carrément, il gère la transparence, l'épaisseur. Ça gère très très bien et Substance aussi dans les dernières mises à jour propose un dépliage auto de la géométrie. Alors, donc, c'est vrai que j'avais hésité à le montrer ça, mais sur un modèle complexe comme ça, c'était un peu difficile. Ouais. C'est encore en bêta, mais ça marche quand même plutôt bien. Mm-hmm. Pour des petits objets en tout cas, je trouve ça assez cool. Ouais. Et je pense qu'avec les prochaines mises à jour, ils vont vraiment améliorer ça et ça va être vraiment sympa. Ouais, vraiment cool. Et ça va nous permettre d'économiser pas mal de temps. Carrément. Hein. Donc, en fait, tu prends ton modèle 3D qui n'a pas de dépliage UV, tu l'importes et automatiquement, lui, il te fait tout. Et ça permet de gagner du temps. Donc là, ça fait le baking des maps. Comme vous l'avez dit, c'est un peu long parce que forcément, on passe d'un modèle très haut poly à très bas poly. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. C'est le moment. Ouais, Paul est là pour répondre. N'hésitez pas à échanger, nous demander des petites infos, des petits trucs. Ça peut être intéressant d'échanger sur Substance Painter, qui est un logiciel que peut-être peu de personnes connaissent aujourd'hui sur ce live. Donc, n'hésitez surtout pas. Qui est quand même très intéressant. Surtout avec les cheveux que tu as fait. En effet, les cheveux comme ça pour faire des UV, il en aurait un peu chié, quoi, Substance. C'est vrai. Ben là, c'est vraiment une bonne rotopo. Du coup, ça va assez vite. Mm-hmm. Mais, carrément.
Donc ça bake, c'est le processus le plus long et après c'est très rapide. C'est, une fois que ça s'est terminé, après tout est lancé et tu peux travailler tranquillement avec des résultats. Et vous allez voir que Substance fonctionne beaucoup, je trouve, comme Photoshop. Oui, on retrouve les layers, le calque, les masques, les brushes. Ils ont récupéré maintenant avec l'affiliation avec Adobe, ils ont récupéré plein de brushes de Photoshop, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, ouais. Donc ça marche vraiment très bien. C'est vraiment très sympa. Il y a Tommy qui nous dit Substance Painter est vraiment complet pour le coup. Ça, c'est clair. Hein. Et là, c'est à force de mise à jour qu'ils ont réussi à nous donner un truc vraiment sympa. Ouais, de plus en plus, ça commence à être utilisé en prod et à vraiment faire des trucs sympas avec la nouvelle feature de peindre entre les UDIM. Alors ça, c'est la dernière mise à jour qu'ils ont sortie. Elle est vraiment chouette. Donc, ça te permet de peindre entre plusieurs UDIM. Donc là, un UDIM, qu'est-ce que c'est? On a un carré ici, c'est notre carré du V. Donc ça, c'est un UDIM. Et si on a des modélisations un peu vénères avec beaucoup de détails, on peut splitter la modée en deux et avoir plusieurs UDIM, donc plusieurs carrés. Vous allez voir, là, j'ai une partie qui utilise ce système-là. Et avant, Substance n'arrivait pas trop à gérer ça. Ils avaient fait une feature, mais qui n'était pas ultra pratique. Mm-hmm. Et maintenant, ça y est, avec la dernière mise à jour, ils ont réussi à nous faire un truc vraiment très propre. Alors là, c'est bon. Là, c'est le baking. Notre baking est terminé. Donc là, on passe. Attends, Papy Lucky qui fait, tu vas montrer comment faire les textures. Oui, oui, c'est exactement ce qu'il va faire du coup. En gros, je vais faire les textures, je vais texturer ce petit monstre et je vais vous expliquer en même temps qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Donc ça, c'est Boo de Monstre et Compagnie, mais en version un peu plus vénère. En version un petit peu plus réaliste, un petit peu plus sympa. Alors, voyons. Par quoi on va commencer? Qu'est-ce que tu vas nous montrer en premier? Peut-être vous montrer un petit peu l'espace de travail, comment ça fonctionne. Mmh, carrément. Donc ici, on a notre premier viewport 3D. Ici, on a nos UV. Là, on a nos objets avec donc les fameux UDIM. D'accord, ouais, c'est là. On a ensuite les layers qui sont ici, qui fonctionnent exactement comme Photoshop, avec les masques, les machins. Ici, on a le texture set setting. Donc c'est ici qu'on vient baker nos maps. C'est là qu'on va retrouver du coup la normale, l'idée. L'ambient occlusion et tout ce que Substance nous a sorti. Juste en dessous, on a les propriétés du coup des broches. Et après, on a une petite console Python que je ne vais pas utiliser. Le coding, on va se calmer. Voilà, on a une heure pour faire du Substance. On va pas commencer à faire du code. C'est ouf. Alors, on va commencer. Et on a cette partie aussi que je n'ai pas expliqué. C'est là où on a tous nos matériels, tous nos tools, nos particules, nos filtres. Nos smart masks qui sont très importants, nos matériels. C'est par ça qu'on va commencer. Alors, certainement. Bon, on va commencer par mettre un premier matériel pour voir comment la modée réagit. Hop. Donc ici, on a nos smart materials et ici, nos materials. Donc là, il faut savoir que tous les smart materials, ce sont en fait des materials qui ont déjà été améliorés, retravaillés avec des masques, des filtres pour donner un effet un petit peu plus complexe, un petit peu plus sympa. Après, tous ces trucs, on peut les faire, nous, à la main avec les matériels, mais bon, c'est des trucs déjà faits. En fait, les matériels, c'est la base. Voilà, et les matériels, c'est des matériaux qui ont été fusionnés ensemble pour faire des choses plus compliquées. Je vais vous montrer là, de toute façon. Des matériels intelligents, comme c'est appelé, smart materials. Exactement ça. Donc ici, on a notre premier truc qui est sympathique. On va un peu remplir tout, comme ça, on a un peu une idée des couleurs, des... Global du truc. Voilà, c'est ça, une petite idée globale. Tommy qui nous dit, tu travailles souvent sur les UDIM ou plus directement sur le modèle? Ah bah du coup, sur le modèle, les UDIM, c'est juste une référence, tu ne vas pas peindre là-dessus, à part si tu veux de la précision. Alors ça dépend, ça va dépendre vraiment de ce que tu veux faire. Je sais qu'il y a des moments où j'utilise beaucoup les UV, quand c'est des trucs un peu plus précis, comme tu dis, quand je veux effacer ou rajouter des choses. Après, sinon, la plupart du temps, ça va être sur le modèle parce que tu as un feeling un petit peu plus sympa. Alors, ce que je te conseille de faire, Paul, je t'écoute. Sauvegarde. Parce que si on fait une heure de live et que ça crache au bout de 50 minutes. C'est vrai que si on refait du baking toutes les deux secondes, ça va être sympa. Voilà, parce que là, là, comme on est sur de la 3D, ça commence à devenir un peu instable. On va se calmer, quoi. Tac, tac, hop. C'est parti. Tac. Comme ça, c'est fait. Un petit save ici. Nickel. Au moins, on part sur de bonnes bases. Ouais. Fait. Ok, on peut reprendre. Donc ici, on a notre petite texture marron qu'on va retravailler. Hop, on va mettre les gencives sur les gencives. Ça, c'est vraiment pratique avec Substance, c'est d'avoir
un matériel pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc ça te permet vraiment d'avoir une base très rapide. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il faut vraiment beaucoup la retravailler, mais. Ouais, mais ça permet des résultats assez rapides. C'est assez une bonne base, quoi. Quand tu vois qu'il y a de la peau, il y a même du métal. Ouais. Tu peux vraiment tout faire en ouvrant substance, tu peux texturer un truc, déjà tout fait, quoi. C'est vrai que là, avec les dernières mises à jour, en plus, ils ont vraiment augmenté en niveau organique. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de modèles organiques, du coup, je suis spécialisé là-dedans. Et ça fait plaisir d'avoir vraiment des mises à jour qui sont faites pour ça. Ouais. Et qui aident. Papy Lucky qui dit, ça va faire combien de temps que tu fais du substance, Paul? Ça va faire bien 3 ans. Hein. 3 ans, là. Ça fait 3 ans. Comment ça fait, hein, que je me suis vraiment intéressé. Donc là, on voit les petites textures dedans, c'est sympa. Elles sont belles, hein. Bon, encore pas mal de choses à faire, mais on est bien. Alors, bon, maintenant qu'on a notre base, si on va peut-être mettre ça là. Il faut avoir un PC ultra puissant pour faire de la 3D ? Bon, non. Quand tu commences à faire du substance, il faut commencer déjà à avoir une bonne machine, quoi. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir un minimum. Ouais, parce que là, tu vois, toute cette étape de baking qu'on a fait avec mon PC. Sur ton PC, je ne sais pas ce que tu as, mais sur celui de Paul, déjà, ça commence à crachouiller. Hier, j'ai fait des petits tests histoire de préparer ce live et avec 1080 dans mon PC, il avait un petit peu du mal. Ah. Alors là, c'est vrai qu'avec 4 2080, on est un petit peu plus tranquille. Merci, oui, c'est gentil. Ça marche un petit peu mieux. Moi, j'aime pas celui-là. Story XK, c'est impressionnant comment ça texture bien. Ah ben ça. Et là, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun travail. Hein. Le texturing, c'est vraiment un vrai travail. Hein. En prod, ça prend du temps, ça prend des jours et des jours. C'est vraiment des recherches. Il faut beaucoup de références. Bah, c'est comme un modé, hein. C'est beaucoup de références, beaucoup de trucs. Et c'est vrai que là, carrément, t'as un truc assez rapide, mais qui a quand même besoin d'être retravaillé. Qu'est-ce qui se passe? You must select to use this. T'as sélectionné une texture et je sais pas ce qui se passe. Je vais juste tourner. Create paint layer. Non, mais ça c'est pour. Ouais, mais vas-y, là tu peux pouvoir te déplacer. Ah non, ok. Ah, non, mon clavier fait n'importe quoi en ce moment. Ah, il se met en QWERTY. Que se passe-t-il? C'est mon clavier, mon gentil clavier. Ok, c'est bon, c'est revenu. Parfait. Bon, comme on voit les cheveux, c'est pas tout à fait ça. Là, c'était vraiment du low poly, donc c'est pas très beau. On va les hide pour l'instant. Comment on fait pour importer des smart materials dans Substance? C'est très simple, mon jeune ami. Tu vas ici. Donc ici, tu as toutes les options par rapport à ce que tu as là. Donc là, tu as import ressource. Tu viens récupérer une ressource. Et tu viens le charger sur ton PC. Tu viens charger ça. Bon, moi, j'en ai pas, bien sûr. Et après, tu n'auras plus qu'à dire si tu veux que ton matériel reste dans la session, dans le projet ou à vie. Et après, tu importes et c'est bon. C'est stylé. C'est très, très cool. Voilà, c'est vrai qu'il y a et une grosse base aussi sur Internet. Je sais qu'Algorithmique, tu avais fait un site avec plein de matériel. C'était vraiment très bien. Je crois que c'est Substance Source. Ouais, Substance Source. Ouais, et il y a plein, tout plein, plein. En plus, donc vous pouvez y aller. Ouais, faites-vous plaisir. C'est vrai, c'est pas mal. Alors, ça, on enlève. Bon, on va retourner sur lui. Hop. Et je vais pouvoir vous montrer la puissance des UDIM, parce que là vraiment c'est quelque chose de sympathique. Donc là je viens créer juste un nouveau calque, hop, un brush pour vous montrer vraiment. Alors ça paraît vraiment stupide, mais avoir ça en temps réel qui monte sur tout le truc, c'est surtout que là ça passe d'UDIM en UDIM. D'accord, okay. Avant dans Substance c'était un UDIM, ça te créait un autre matériel en fait. D'accord. Donc tu étais obligé de travailler comme ça avec trois matériels alors que tu avais trois UDIM, alors que c'est la même truc. Donc ça fait un gain de temps énorme. Voilà, c'est ça. Il y avait toujours moyen de s'en sortir en des instances et tout, mais là c'est quand même beaucoup plus pratique. Petit contrôle S, pas bon. Un petit contrôle S. Bon, là pour l'instant on n'a rien fait, hein, c'est le début. On ne sait jamais. Hop, alors, donc notre matériel est là. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à notre matériel pour qu'il soit plus joli? On va commencer par faire une espèce de petite variation de couleur, parce que là c'est vraiment une couleur unie. Ouais. C'est sympa, mais c'est pas ultra intéressant. Donc là, je viens rajouter deux fois le même, deux fois le même matériel. Okay. Et vous allez me dire, c'est nul, ça va pas se voir. Mais attendez, jeune ami. Paul Gros a plus d'un tour dans son sac. Alors, le temps que ça charge. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le taf de Paul Gros sur Instagram, je vous le mets dans le chat, comme ça, vous pourrez découvrir son travail. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et donc ici, on va changer un tout petit peu la couleur. On va mettre un truc un peu plus clair, comme ceci, je pense.
Ouais, en fait, comme on travaille en 4K Ben on aussi. va baisser, je pense, parce que Ouais, là, ce qui est pratique c'est. aussi avec Substance, donc là, j'ai montré en version 4K pour voir un petit peu La la définition. beauté des choses, mais tu peux revenir à tout moment. Là, ouais. Ici, tu peux revenir, par exemple, en 2048, ça va être un petit peu moins lourd. Il faut juste le temps qu'il reload un petit peu tout, et là, normalement, ça devrait marcher Et un petit quand on peu va plus vite. réactiver des textures, ça va aller beaucoup plus vite aussi, quoi. Parce que là, on voyait que Oui. quand on mettait une Ah texture, ça oui, là chargeait, ça mettait maintenant du ça va temps. être beaucoup plus rapide. Bah, du coup, c'est deux fois moins lourd, sachant que là, tu as trois maps en 4K, ça commence à faire. Ça commence à faire. Du coup, là, ça Heureusement, va mon être. PC, quand même, il est Heureusement que ton PC chiant. est sympathique et peut nous aider parce que. Donc, Allez, ça ici, je part en viens abonnement. de changer ma couleur et je viens mettre un petit masque. Et Donc ça, c'est là, comme sur Photoshop, c'est c'est des masques exactement pareil. de fusion, c'est ça? Oui, c'est des masques tout court, Ouais, hein. et le noir va aller Tu peux être faire des. invisible et blanc, ça va être visible. Voilà, c'est ça. Donc ici, ensuite, on vient faire Un rajouter un générateur. petit générateur. Et Et dans un là, générateur, c'est quoi? C'est différents masques déjà c'est préconfigurés. ça. Alors, tu peux les récupérer ici, tu as tes smart masks. Donc avec chaque truc, tu vois, il y a des dirt spots, des dirt splash, dirt dry et tout. Donc ici, tu as plein de trucs que tu vas pouvoir glisser dans ton masque. Là, je vais utiliser un noise tout simple, juste pour avoir cet effet de. Pas de vache, mais un petit peu de truc tacheté, tu Ouais, vois. voilà, ouais. Que ce soit moins C'est ça. parfait et moins. Donc là. Hop. Un petit noise. On va prendre n'importe lequel. C'est sympa. Et t'as juste augmenté les contrastes, peut-être, pour que ça soit plus visible. Effectivement. Attends un petit C'est peu. cool, il a des espèces de trucs un peu abîmés et tout là. T'as fait ça en modé ou c'est une texture? Ça là. Ça, ouais, ça c'est en modé. Putain, stylé. Tu l'as retravaillé chez toi, ça. Un petit peu, Un petit oui, peu, un Paul petit Grand, peu. hein? Bon, et là, on peut voir que de suite, ça donne un effet Ah un petit oui. peu plus sympa, tu Ah, c'est vois. beaucoup Avec des mieux. espèces de petites taches, ça fait un petit peu plus Ouais. réaliste. Carrément. Tout de suite, ça rajoute un peu. C'est clair. C'est moins uniforme, Ouais, quoi. voilà, c'est Ça ça. casse l'uniformité. C'est Ça très casse cool. un peu l'uniformité. Ensuite, notre monstre, eh ben, il marche dans la boue, j'imagine. Donc, on va rajouter un petit peu de boue, ça peut être sympa. Habile. Donc là, je mets de la rust, donc de la rouille, mais on va modifier un peu nos paramètres pour rendre ça Sur la boost. flèche. Hop. Pour rendre ça un petit peu plus sympa. Hop, un petit peu foncé, comme ça. Tac, tac, tac. Métal, on enlève parce qu'on ne veut pas du métal. En Donc effet. ici, on a notre color. Notre height, c'est la displace. La roughness, c'est l'aspect brillant. La metalness, c'est l'aspect vraiment, bah, du coup, métallisé. Là, pour les connaisseurs, c'est l'IOR un peu. Et ici, c'est la normale. Donc, aussi pour donner Du relief. du relief. Donc, on a ça. On refait exactement le même schéma. Donc, un masque. On vient faire un petit générateur. Et Et tu on auras un vient y générateur mettre boue, c'est ça? un générateur dirt, tout simplement. Dirt, ok. Et là, on va voir la Ça magie se met de dans les creux, Substance. C'est ouais. que ça se met dans les creux. Ça va récupérer l'ambient occlusion, la thickness et tout ça. Et ça va nous donner vraiment cette espèce d'effet. Ouais. Donc ça va un peu rehausser aussi les détails dans la modée. Tu vois, là par Ouais. exemple, la petite truc, elle sera un petit peu plus foncée. Ça va Carrément. permettre d'un petit peu mieux la voir. Bah, tu vois, ça, par exemple, ce que tu me dis pour la boue, là, tu viens de le mettre dans les creux, dans les endroits creux. Ouais. Et je pense que justement, tu devrais le mettre, comme c'est de la boue, que vers le dessous, Ouais, mais par il y a de exemple. l'accumulation dans les. Tu vois. Puis après, en diminuant un petit peu L'opacité. Parce que l'opacité. comme c'est des layers comme dans Photoshop, tu peux Voilà, diminuer c'est ça. l'opacité comme ça, c'est Et là, tu vois, incroyable. ça vient rehausser un petit peu le niveau des Ouais. détails. Ça Avec et peut. sans, tu vois, ça rajoute un En vrai, ça peu. fait comme une ambiante occlusion un peu là. Oui, c'est ça. Presque. Tu rajoutes un peu en ambiante occlusion, C'est en rajoutant un stylé, peu de c'est très cool. latère. Il n'y a pas un générateur aussi vraiment boue, Ah, si, genre. si, dans tes masques. Là, Ouais. on va rajouter ça. C'était pour mon ambiance. J'en remets une autre. Hop. Pareil, je vais Je sais qu'il y a un truc qui vient la que par exemple sur foncer. la world C'est position ça. du Sur bas. les faces d'en Ouais, dessous, c'est j'enlève ça. ça. Hop. Un masque. Et là, dans nos masques, bah, c'est. Dirt ground, peut-être. Là, Non. on a de la rust ground Ok. et ici, on a du ground dirt. Ah, voilà, Donc, c'est du ça. coup, hop, on va venir le mettre. Du Et là, ça va coup, te mettre voilà, vraiment que sur au les dessous. pieds. Voilà. Et là, ça fait boue, Et là, genre. ça fait vraiment le mec qui marche dans la boue. Il est Ouais. pas trop. Carrément. Hop, Et c'est quand donc même fou de là. voir que là, tu viens de faire quelques clics et la Allez, texture est passée déjà à un niveau. en quelques clics, c'est le but de Substance. C'est vrai que là, pour ça, c'est quand même vraiment pas mal. Donc là, on va descendre un petit peu quand même, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Global Balance, voilà, c'est ça. Allez, juste en faisant des clics comme Ah ça, bah oui, c'est fou, quoi.
Ça, du coup, le temps réel, c'est vraiment sympa. Ça te permet C'est trop bien. d'avoir un retour vraiment cool. Je pense que tu montrais ça à des artistes 3D d'il y a, Ah bah c'est d'il y a clair 10 ans, que. juste 10 ans, les mecs, ils devaient faire What Bah avant, the les gens faisaient ça directement sur Photoshop. Donc en dépliant tes UV, fuck en mettant ton carré is d'UV dans Photoshop et en peignant tes Oh trucs là à là la là main. là, Hein. le passé quoi. Merci Substance, hein. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Donc ici, pareil, je vais quand même un peu baisser l'opacité parce que c'est violent. Hop. Et après aussi, si on veut, on peut rajouter, si on a plusieurs éléments, on peut ajouter un add paint. Et là, dans nos brushes, on a Et là, on peut de voir qu'il y a des l'adder. petites icônes de Ah Photoshop. Et oui, là, c'est les icônes ça, des c'est brushes de Photoshop. les nouveaux brushes Photoshop qui sont vraiment sympas. Très cool. Mais on ne va pas les utiliser. Parce qu'il y en a un qui est sympa, si j'arrive à le retrouver. Où est-il? Comment il s'appelle? Il s'appelle ici, Dirt. Il s'appelle Dirt. ici. Donc là, avec contrôle et clic droit, je viens Augmenter la augmenter taille. et baisser la taille, des petits raccourcis. Et ici, si on veut, ben on peut rajouter des petits trucs si on a envie D'être plus d'être précis plus et précis. voilà. Parce que là, souvent, tu vois par exemple ici, il y a beaucoup de trucs, tu fais bon, quand même de la terre, hein, là, C'est ça ici, hein. trempe bien dans la boue, donc on va en rajouter. Incroyable. Voilà. Hop, là, en maintenant Shift et clic droit, on peut bouger notre éclairage, ce qui est vraiment très pratique pour se C'est fou, hein. donner une idée de comment le matériel va réagir à la lumière. C'est Donc là, beau. tu vois, Et c'est comment tu fais sympa. pour gérer, par exemple, la rugosité, enfin la roughness de matériel? La roughness, bah, ça va être directement sur tes matériels en fait. Ouais. Donc, par exemple, je sais pas, sur l'alien, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de sympa sur le skin? Skin, là t'as la Skin, on a de la roughness. color variation, on a des damages. Et là, on a de la roughness. Donc là, par exemple, si je D'accord. veux, tu t'en vas pas, je mets à balle de roughness, ça donnait un truc un Ah, petit peu plus d'accord. Et là, crispy. comme s'il était un peu moite, Voilà, c'est dégueulasse. ça. C'est cool, d'accord. Puis en plus, comme je l'ai mis sur juste 1 sur 2, vu que tu sais que j'ai deux, Oui, ça ça peut va te créer des, mettre, ouais, ça peut te faire des petites des variations dans la variations, roughness, et hein. ça, c'est Ouais. toujours agréable. Pour info, roughness en français, c'est rugosité. C'est comment le C'est matériel va ça. réagir face à la lumière et à la réflexion, en fait. Plus il est rugueux et moins il y a de spéculaire. Et Voilà. moins il est rugueux, plus il est lisse. Voilà, Plus c'est ça te ça. donne un truc tout shiny. C'est ça. Voilà. Donc là, on est sympa. Bon, ensuite, on a vu qu'on a des petits détails ici, des petites balafres, des petits un œil coupé et tout. Et là, bon, on va faire un petit peu de sang. Le sang, c'est Il n'y a pas des sympa. générateurs de fluide comme ça Alors plaît. Oh, si. fais-moi ça, Alors ça, c'est Paul, je veux sympa. ça. Tu veux ça? Je veux C'est ça, Paul. parti. Alors là, je mets un peu n'importe quoi. J'ai mis de l'aluminium. Vous allez Ok. voir que ça n'a pas vraiment d'importance parce que je vais enlever le métal. Là, ça va te donner un effet un peu plastique. On va vraiment mettre une roughness très basse pour avoir un truc très brillant. Et ici, on vient te prendre un Rouge. petit rouge bordeaux. Daniel qui dit à mes débuts, c'était ça, dépliage d'UV puis Photoshop. Eh bien, tu Sacré fais partie malin. de l'élite courageuse. Ça, c'est vrai. Donc là, on a un Ah, monsieur plein de sang. Et incroyable. comme tout à l'heure, hein, c'est souvent le même truc. Processus. Un black masque, Masque. oui, pardon. Montre-nous Ouais, je sais, je le sais. truc. Ah non, bah non, du coup, il faut pas que je fasse de. Ça, c'est vrai que c'est des trucs que j'utilise pas énormément. C'est dans Particles. Ouais, particules, c'est Voilà, si ça. c'est ça. Là, il y a Voilà, Ben. là, ça va Ah, le c'est mettre ouf. sur le masque. Donc, on va enlever le À masque. l'écho stream, Alors, j'ai je plein ne de vois pas trucs. très bien. C'est où? Est-ce que tu le Tu vois? veux quoi là? Clear mask, non, remove Remove mask, Max. parfait. Ok. Oui, non, c'est ça, voilà. Alors, attendez, je me retrouve, hein, c'est compliqué. Tac, donc là, on a Organic Spray, on a Rain, tu veux quoi? Ça, Rain. c'est sympa, Leaks. Ah, leaks, ça va être les coulures du coup. Allez, on va faire ça, on va récupérer notre matériel, en le recréant vite fait. Tac. En fait, quand C'est il faut que où? tu assimiles ton matériel aux broches que Ouais. tu viens de faire. Voilà, c'est ça, c'est exactement. En gros, là, on a mis un truc pour juste peindre, en fait. D'accord. On vient récupérer, mettre notre matériel à l'intérieur. Hop, on n'oublie pas de mettre bien de la roughness, d'enlever la métallique ici ou là, c'est pareil. Et Et là, ensuite, hop, ça vient voilà. couler. En gros, tu viens simuler Trop directement cool. en temps réel. Voilà, et ça coule directement sur Et le ça modèle coule 3D, c'est vraiment fou. sur le Ça, c'est modèle. vraiment un Non, des ça, trucs c'est vrai que c'est qui. sympa. C'est trop bien. Particules, après, tu as plein de trucs, tu vois, tu as de la reine. Si tu veux Rain. vraiment que. Ah ouais, Tu vois comme les petites si. particules blanches qui coulent et qui sont calées sur le modèle. Ah, c'est cool, hein. Moi, Donc après, j'adore. tu peux le faire plus ou moins fort si tu veux, tu peux laisser un petit Ouais, peu. en fait, tu peux limite même faire un matériel plus brillant, exactement le même que la peau, avec le rain pour faire croire qu'il est mouillé, quoi. Voilà, c'est ça.
Ici, c'est les espèces de veines, donc c'est une espèce de truc qui vient. Ah, c'est cool. On va le faire peut-être ici où il y a de la. Tu vois, tout vient se. Ah, c'est trop bien, moi, j'adore. Ah, ça, c'est sympa. Après, c'est pas très précis, du coup, tu contrôles pas du tout. C'est clair, c'est clair. Et nous, ce qu'on aime, c'est le contrôle. Le contrôle. Voilà, donc ça c'était pour essayer les particules. Bon, après, t'as plein de trucs. T'as des veines, ça c'est marrant. Vein, là, voyons. Un endroit où il y a de la place. Ah ouais, là, c'est ça cool. Fait des espèces de petites. Ouais, petits ouais, des petites sympa. Les veines, les varices. Voilà, c'est les varices quand t'as 85 veines. C'est la mamie qui va à l'aquagym. À l'aquagym. C'est mamie Branchon qui va, ouais, c'est ça. Qui va à l'aquagym. Qui va mettre ses varices à l'aquagym. Bon, voilà, donc ça c'était. Les particules, donc après il ouais. Faut vraiment s'amuser avec, il y a moyen de faire vraiment plein de choses. Super cool ça. Ça, on va l'enlever. Du coup. Tac. Et on va le faire maintenant avec la version que j'ai faite tout à l'heure. Hop. Un black mask. Et là on vient peindre à la main du coup les endroits où tu veux tu en mettre. Donc là moi j'aime bien le petit truc de dirt, ça donne un petit effet sympathique. Ça donne, ouais, un effet un quand peu tu veux faire du gros, c'est pas mal. Sale. Ici, hop, on en rajoute un petit peu par ici. Tu veux que ça te donne un effet un petit peu naturel, où tu vois que c'est pas toi qui es passé dessus, tu peux modifier tes paramètres de brush. D'accord, comme sur Photoshop en fait. Comme sur Photoshop. Et là, tu as vraiment les jitters, donc la size jitter, le flow jitter, l'angle jitter et la position jitter. Donc ça va te permettre de random un peu tes trucs. Moi, d'accord. J'aime bien mettre de la position, un peu de flow aussi. Et du coup, quand tu viens peindre sur ton truc, tu vois. Ça en met pas exactement là où ouais. Tu veux et du coup ça te donne un effet un petit peu plus aléatoire. Ouais, d'accord. Ouais. Et ça rend souvent mieux. Mmh. Après c'est vraiment pour le gros du travail. Ça c'est vraiment hop histoire de faire un petit peu. Il va faire flipper ce petit monstre. Ah ben ouais. C'est ah, le but. Il faut hein. Monstre et compagnie version hardcore. C'est Halloween. Mmh. On est là. On est là. C'est Halloween. Adobe France. Alors là on a notre petit truc. On va baisser le position sinon il va partir n'importe où. Là, on veut de la précision, quoi. Là, on veut un truc un petit peu plus précis, tu vois, ça coule un peu sur le côté. Après, je vais te montrer que dans les alphas, il y a des coulures déjà enregistrées. Ah ouais, c'est cool, ça. Il y a ça. Des petits trucs. Ça, pour ça, ils ne se sont pas fichus de nous. Il y a beaucoup d'outils qui sont vraiment très pratiques. Ah non, mais c'est vraiment top, là, comme truc. Si tu veux en rajouter un peu n'importe où, tu vois, ça te donne un petit peu de variation aussi sur ta roughness. Du coup, comme j'en parlais, c'est vraiment agréable. Il commence vraiment à être dégueulasse, hein, ce petit monstre là, ouais. Tout brillant là, tu ressens la texture qu'il a. C'est vrai que c'est pas alors, dégueu. Les alphas, elles sont ici. Et ici, on a pareil, plein d'alphas que tu peux rajouter, tu peux importer tes propres alphas du coup. Si tu as des packs ZBrush avec des beaux alphas, tu peux les mettre dans ton truc. Et par ici, bah, juste là, hop. Tu mets des textures de main partout sur ouais, le corps. En mode non. Il utilise la tablette graphique. Non, pas cette fois-ci. Là, je suis à la souris. J'ai pas ma tablette. Il y en a une juste ici. Mais elle est pas. Paul Gros refuse de ne travailler que sur sa Cintiq. Alors, ici, donc là, on a notre truc. Ça, c'est un petit problème que j'avais souvent. Quand tu fais ça, hop, ça le met, mais pas dans le bon sens. Alors, attends, on va augmenter le flow et le 16 pour que ça soit un petit peu plus visible. Mais. Oui, ma souris, ici. Là, tu vois, ça ne pas très bien. Et là, en fait, c'est les jitters. Donc là, on vient enlever tous les jitters pour avoir vraiment un truc où l'angle, vraiment. Tu sais exactement ce qu'il y a. Et là, pouf. D'accord. Tu as ta petite truc et tu peux la mettre un peu n'importe où. Là, okay. Tu en as plusieurs. Hop, ça, c'est pas très intéressant. T'as quoi d'autre? T'as des petits splashs. Ah ouais, ça peut être rigolo. Cool. Comme si du sang lui avait éclaboussé. C'est ça. Ça peut être très cool. Hein. Putain, c'est bien. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs que tu as très facilement. Tu as une Cintiq 24 pouces c'est la question non, dans le une, chat. 13. 13 pouces ou 16 13, 13 pouces. Je crois que c'est 13. Que c'est 13, ouais. Oui. La plus petite. Bon, voilà, on va rajouter des petits trucs, c'est rigolo. C'est rigolo. Tac. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Écoute. C'est joli. Tu vas faire un rendu après. Alors, le rendu, il se fera sur mon Twitch ce soir à 17h30, 18h. Parce qu'on n'aura pas le temps en une heure de le faire. C'est déjà beaucoup de travail de faire une texture en live. Ouais. Mais on fera ça ce soir ensemble encore vers 17h30, 18h. Petite image 3D en live. Bon, je pense que pour le corps, pour l'instant, on va rester là. On reviendra après si on a un peu de temps. Parce que c'est déjà 14h30. Ah ouais, il te reste 30 minutes. 30 minutes, c'est large. Tranquille. Vous en pensez quoi de l'appli Forger sur iPad Pro? Eh ben, j'ai essayé et c'est pas mal. C'est un petit coup de main à prendre par rapport à ZBrush, parce que c'est du coup c'est sur un iPad, t'as pas de clavier pour t'aider. Mais c'est sympa, franchement j'ai testé. Pour le prix que ça coûte, je sais pas, ça devait être 5 euros, un truc comme ça. C'était vraiment pas cher.
Et c'est une bonne alternative. Après, tu peux exporter tes OBJ, tu peux vraiment Ok, ouais, tout c'est cool. transférer sur ton ZBrush après pour pouvoir Voilà, faire en un fait, truc c'est une un petit bonne peu plus base, mais précis. tu pourras pas Mais avoir un voilà, c'est truc aussi ça. Bah chaud après, si tu es dans le train, que tu vas à Paris ou que... Ouais, quoi, voilà, tu peux que travailler tu ton base t'ennuies, mesh, c'est ça, quoi. tu peux t'amuser un petit peu. Il y en a qui font des rendus vraiment sympas. Donc ici, je suis venu sur mes tentacles. Les Mes tentacles. tentacles. On va mettre ça, parce que ça c'est sympa. Celui-là ou celui-là, ça fait des espèces de petites écailles. Ouais, c'est pas C'est mal, le premier pas sympathique. mal, j'aime bien. Et on va pareil faire une espèce de petit noise pour pas le mettre un peu, pour pas le mettre partout. Ça peut être sympa. Ice Mind TV, qui est un invité qui dit aïe aïe, le sex appeal de Salut Soleil. Ice Mind. Merci Ice Mind, merci, on le Un sait. plaisir. Donc là, comme vous voyez, c'est beau, mais c'est un petit peu gros. Moi, C'est vrai. je voulais un truc un Et peu plus comment tu petit. gères la taille? Donc c'est Bien, là. ici, tu as les Ok. UV transformation où tu peux venir rotationner tes UV comme tu le désires. Rotationner. Et tu peux surtout agrandir pour avoir un truc D'accord. peut-être moins. Oula. Ah ben, est-ce que tu n'aurais pas utilisé la même texture sur mon petit poulpe dans le court-métrage Mario Et Kart? effectivement, on ne peut Oh. rien vous cacher, mon cher. Ah, hein, j'ai l'œil, hein, moi. Donc là, on a une petite base, c'est sympa. Bon, hein. Là, on voit un peu la répétition, mais avec le masque, ça devrait améliorer l'aspect visuel du truc. Il y Donc a Iceman qui ici. te demande de détacher tes cheveux pour avoir plus de Si tu viewers. es sage, Ice Mind, Si tu es sage, je le ferai, Iceman. je le ferai. Et on mettra une musique d'Ushuaïa. Oh oui. Alors, bien, on va faire comme tout à l'heure. On va faire notre petit générateur. Un générateur, là. Un noise C'est aussi. parti. Un petit noise au hasard. Le noise qu'il faut savoir dans la 3D, c'est que c'est utilisé pour absolument tout. Tout et n'importe quoi. Dès Tout et que tu veux n'importe un quoi. côté un peu random, c'est un Ouais, noise. c'est fou. Ok, on va augmenter le contraste à balle. Incroyable. Il n'y a pas moyen de voir, par exemple, ton noise seul, Alors pas ça, affecté je ne crois pas. Je sais pas. C'est possible. Je t'avoue que j'ai pas trop de. de visibilité dans le Je suis truc. pas sûr Là, tu sais, t'as que. matériel, t'as pas un truc genre Alors ça générateur ou va te quoi? montrer en gros Ok, par ouais. rapport à tes trucs. Donc tu vas avoir ta D'accord. C'est couleur, tous tes tes passes que tu machins. vas exporter Et je. après. Ah, masque. Ah, Ah, voilà. si, bien joué. Donc c'est Donc il ça, y le avait masque. vraiment moyen. Donc Voilà, c'est ça te là. permet de voir ton Planté œil que sur tu es en ton train de masque. travailler. Cool, là, voilà, c'est ça. Si tu veux mettre plus ou moins, tu peux avoir un. Bien joué. Tac tac tac, un contraste c'est pas mal. Noise parameter scale, Il a joué dans The comme Witcher, ça. attention. C'est vrai que c'est Geralt de Rive, quand même, sur ma chaîne Absolument. YouTube. C'est quand même honorable. Nous avons Geralt de Rive. Absolument. Donc ici on voit que normalement on va avoir Des petites. Oui, des d'accord. petites parties un peu. Bon, Ouais. c'est pas assez. On augmente un peu la Nous avons balance. Iceman qui nous dit c'est important les masques en ce moment. C'est vrai. Iceman toujours au top de sa forme. C'est On incroyable. apprécie, moi j'aime. Alors, donc là on a nos deux matériels qui sont mêlés. Maintenant on va mettre de la boue, comme tout à l'heure. Hein. Adore. On va faire à peu près le même système. Donc matériel rust, c'est parti. Et donc là, tu travailles en 2K et après, on va pouvoir C'est passer ça. Là en en fait c'est 4K. vraiment juste le viewport pour pouvoir éviter de trop galérer. Après tu peux. La seule chose qui ne va pas changer c'est ton baking. Quand tu bakes tes maps. C'est fait quoi. C'est ça, Voilà. c'est tu Donc il mets. faut penser à baker dans la qualité Voilà, finale. c'est ça. Il faut Voilà. baker en 4K si tu veux des images en Ok. 4K ou moins, sinon. Sinon, il faut rebaker. C'est ça. Hop, c'est pas trop mal. On va faire comme tout à l'heure l'espèce de petit truc qui va te rehausser un peu les détails. Avec l'ambiance occlusion. Masque générateur. Dirt. Tac, tac. Que se passe-t-il? Le Après, dès qu'on commence à mettre beaucoup appel. de matériel, c'est de plus en plus long, c'est C'est normal. pas mal, hein? Donc là, on Ah, est ça pas rajoute mal, hein. vraiment des trucs dans Ça, les. tu vois, Ouais. ça fait des petits trucs sympas. J'aime On bien. va un peu baisser. On va surtout baisser l'opacité. Bah, tu vois, te voir travailler comme ça sur Substance me donne envie de faire des dépliages UV Ben, propres et de bien une modéliser. fois qu'il y aura la mise à jour, une prochaine mise à jour avec une feature un petit peu plus améliorée des UV automatiques, tu pourras t'y Ah, mettre. j'ai texturé sur substance, moi ça va pas traîner. Hein. Donc là, c'est sympa, c'est rigolo. On va quand même foncer un peu. Tac, tac, tac. Où est-ce que je suis? T'es pas dans le masque là? Tu Oui, cherches quoi le rust? je ne suis pas dessus. Va à gauche, voilà ça. Tac. Et là, j'avais pas enlevé le métal.
petit peu mieux. Un petit peu plus foncé. Et on va baisser un peu l'opacité. Il va faire bien peur. Hein. Je vais identifier Pixar là. Et ensuite, on va venir en faire un autre, du coup, comme on avait fait tout à l'heure, pour vraiment le ground. Vu qu'il marche normalement avec ses tentacles. Et oui, mais mon bon vieux Paul Gros, il faut que tu l'enlèves sur les bras alors, parce qu'il marche que. Ne vous inquiétez pas, monsieur Tual, je vais vous expliquer cool. comment faire. Donc ici, on a notre nouveau truc. On va mettre un black mask. Et dans ce masque, on va venir récupérer comme tout à l'heure. Notre ground dirt, ici présent. Tac. Donc là, ici, non, ça va en mettre en bas là et en bas ici aussi. Cool, même pas. Parce que je pense que c'est en fonction du sol ou je sais pas, s'il y a un peu quand même. On va baisser un peu la balance. Ça va être pas mal. Un petit peu plus juste, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est quand même magique. Hein. C'est vrai que c'est vraiment très très pratique. Un truc un peu comme ça. Tac. Voilà, comme ça on a un aspect un petit peu plus sale. Ouais, carrément. C'est un petit peu plus sympa. De ouf. Au final, sur les bras, ça choque pas. Qu'il y en ait. Non, au final, bah là c'était entre les espèces de ventouses, du coup ça a l'air d'aller. Mm-hmm. Je trouve ça pas trop mal. Bien belle. Bon, bah pour les bras, on n'est pas trop mal. On va passer aux gencives. Celle, j'aurais bien vu une petite SSS là dans les membranes. Ouais, mais ça après, ça peut se gérer assez facilement dans ton logiciel 3D où tu vas récupérer. Ta base color que tu, je ferai ça. Que tu mets en... Venez voir si vous êtes curieux sur Twitch ce soir, c'est Atom Visual, on va faire l'image ensemble et on va créer une image en fonction de ces textures. Ok, alors là ici, on voit qu'il y a pas mal de problèmes. Il y a cette espèce de quadrillage là, c'est un peu moche. Il y a cette espèce de dirt pas très joli. Alors là, on dirait qu'il a été une gengivite. Ouais. C'est quoi, c'est la maladie là, des gencives? Une gengivite. Une gengivite. Une belle gengivite. Une bonne gengivite. Donc là, on a... Donc là tu vois, c'est le smart material. Du coup, tu as plein de matériaux à l'intérieur. Là, il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses les unes sur les autres. Vu que là, je n'ai absolument aucune idée de où est cette espèce de quadrillage, je vais tester en enlevant. Ça me semble pas. C'est pas ça. D'ailleurs, le quadrillage qui est un noise, littéralement, c'est un autre type de noise, mais c'est du noise toujours. Paul, tu fais de l'animation aussi ? Je sais à peu près en faire, mais c'est vraiment pas mon domaine. C'est quelqu'un de prod à Paul, donc chacun son domaine en c'est prod. C'est ça, on a vraiment des trucs. Alors ça, j'aime pas, j'enlève. Ça, j'aime pas. Ah, c'est ça, c'est capillaire. Effectivement, donc on a ça. Hop. C'est dans le. Et là, on va venir augmenter normalement le scale qui est ici. Alors 20, ça va être un peu vénère, non ? Ah non. Non, ça va pas aller. Ah, il y a des espèces de petits points dégueulasses. Ouais, ça c'est sympa. Hein. Ça c'est très sympa. Ok. Et les espèces de trucs blancs. Là, c'est les petites taches. C'est peut-être le surface detail. Surface detail. Non, ton base. Ça c'est pas mal. Non, c'est pas ton base là. Ah, ok. C'est pas beau. C'est la couleur rouge, je pense. Mais sinon, en haut, il n'y avait pas ça. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, c'était ça, les zits. Ah ouais, zits, c'est les petits points chelous qu'il y a sur la texture. On peut en rajouter si on veut. Après, plein de choses à... Quand même cool. On baisse un peu la size. Hop. Il y a plein de paramètres, je pense que je ne vais pas tout modifier non plus. Là, il ne nous reste que 15 minutes du coup, pas loin. 15 minutes. Et 15 minutes. Dépêcher. Ah, donc c'est ici. Et ça doit être ça. On va baisser l'opacité. Je pense que ça donnera un effet un petit peu plus sympa. Hop. Et vu que c'est un monstre et qu'il mange des enfants le midi, on va lui mettre un petit peu de sang. Le midi. Et on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va récupérer notre alu. Tac, on met là. En enlevant la metalness, en mettant une roughness bien basse. Et là, imaginons, là, tu es en train de créer une texture un peu de sang. Ouais. Comment tu arriverais à nous sauvegarder cette texture comme ça, tu n'as pas tout le temps à la refaire et tout machin. Tu sais faire ça ? Alors, c'est un beau truc. Si tu veux, je réfléchis sur quel truc je pourrais te montrer. Sur la texture de sang, genre tu me sauvegardes ça et comme ça je l'ai ici dans mes matériels. Alors, en vrai, ce qui est utile pour ça, c'est. Donc là, on a notre premier truc. Ce serait de faire un groupe, tac. Dans ce groupe, venir mettre nos trucs. Et par exemple, si on veut
si je sais sur quoi on va le faire. Pas sur ça, on va le faire sur le corps. Parce que sur le corps, depuis le début, il y a plein de trucs les uns sur les autres. Mmh. Si on veut, on peut venir. Donc là, par exemple, tac, on a nos deux corps d'aliens qu'on a mergés pour avoir cette espèce d'effet un peu de tâche. On va venir faire un groupe. Alors, je ne sais pas si le fait de cliquer là... Ouais, okay. Donc on va faire un groupe. Tac, on va mettre notre premier truc ici. Ça charge. Et notre deuxième... Ok. Tac. Donc là, on a notre matériel comme on l'a voulu en fait. Ici. Attends, ça. Non. Parce qu'en fait. Ah non, je l'ai mis à l'intérieur. T'as mis à l'intérieur, voilà, c'est ça. Intéressant. Donc il faut que tu le sortes et que tu le mettes dans le folder. Dans celui-là. Et là, ça va. Et là, normalement, ça va fonctionner. C'est un petit peu joli. Ok. Donc là, on a nos deux folders dans un grand folder. Celui-ci, on va le renommer, je sais pas, Alien Skin. C'est rigolo. Et ici, donc, on a notre matériel. On n'a plus qu'à faire un clic. Non, droit. Alien Skin, il existe encore, déjà. Tu peux pas l'appeler Boo Skin. Ouais. Boo Skin. Et lui, on vient faire un clic droit dessus. Et là, on a Create Smart Materials. Ah, donc, ça va te créer directement ton Smart Material qui va se mettre dans ta banque et que tu pourras réutiliser après un peu tout le temps. Okay. Surtout des trucs. Donc là, après, si tu as juste le réappliquer, c'est bon. Si tu t'amuses à faire des trucs un petit peu précis, jolis, ou tu prends vraiment le temps de faire un truc propre, ben voilà, tu fais ça. Ah, c'est vraiment rapide, hein. Clic droit et c'est ciao. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'est pas mal. Alors, on retourne sur nos gencives. Ici, j'ai mon aluminium. Dans mon groupe, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Celle-là. Tac. Tac. On vient faire un black mask, tac, avec un générateur et, comme tout à l'heure, un dirt. Pour utiliser les creux, pour avoir du sang un peu coagulé à l'intérieur des creux. Ouais, que ça passe un peu brillant, quoi. On va augmenter le contraste. Que ça fasse plus tache et moins diffusion. Mmh. Et on va un peu baisser la quantité. Là, comme ça, il aura un peu les gencives attaquées, rognées. Ouais. Pas très agréable. C'est pas très agréable de manger des enfants. Voilà, on a un truc un petit peu plus. Ouais, je vois. Tac. Ouais, mouillé. Un petit peu plus mouillé. Après, là, ce qui serait sympa, c'est d'avoir une petite passe avec. Là aussi, ce qu'on peut faire, c'est voir un peu l'aspect. Ouais. Tu vois, avec les specs. C'est sympa. Là, ce qui serait sympa aussi, c'est d'avoir un petit peu de bave avec. Mais là, directement, soit simulé sur Houdini ou créé dans ZBrush. Ça peut être sympa. Bon, on va passer aux dents. Vite fait, on va rajouter un petit peu de sang, un peu de dirt. Donc là, ce qu'on peut faire, parce que j'ai la flemme de le faire 50 fois, c'est de prendre notre aluminium, de le copier, tout simplement. Tu peux pas faire copy layer. Ctrl C, pense à tes raccourcis, Paul Gros. Oui, mais pour montrer aux gens. Et ici, tac, on s'en fiche. De Ctrl V. Allez. Merci, Paul. Donc ici, par contre, on a récupéré donc. Le masque qu'il va falloir modifier parce que là ça ne va pas. Tac, on va laisser ici. Oui, alors ici, le petit problème qu'on a, c'est que le dirt va prendre la face intérieure. Voilà, il va prendre l'extérieur. Ça, et donc ça va pas être sympa. Il va regarder par rapport à ce qui est proche, vu qu'il y a une modée proche derrière, il va se dire ah là ça veut dire qu'il y a c'est ça. Parce que de l'autre côté il n'y a rien, il n'y a plus de modée, du coup on n'en met pas. Le dirt c'est ça, ça agit en fonction de la distance entre deux surfaces. Donc là on va mettre un générateur, tac, je pense qu'on va mettre un petit noise, ça marche toujours bien. Et on viendra peut-être effacer certaines parties. Tu mets du contraste à balle. Contraste, c'est ça qu'on veut. Pas mal. Ouh les petits UV pas gros là dedans, hein. Alors. On parle pas des UV ici. On parle pas des UV ici. On parle pas des UV. Et voilà. Ça, après, c'est pareil, on pourrait venir peindre à la main comme je vous ai montré tout à l'heure avec le corps pour venir rajouter des petits détails, des petits trucs. Mais étant donné qu'il nous reste 11 minutes. 11 minutes. Quand même, 11 minutes faire ça, c'est incroyable. Alors, il en a mangé des pâtes au ketchup, on nous dit. Ça, il faut bien. Hein. Hop, on a aussi notre petit humain à l'intérieur. Hein. On a notre petite boue. Et l'œil là, Paul, comment tu vas faire? Alors l'œil, j'ai des assets d'œil déjà faits. Donc à mon avis, je pense que je ferai ça. D'accord. Mais si on veut... Il n'y a pas des matériels dieux là? Alors
Je sais plus. Recherche ice pour voir. Pas dans brush, mais. Non, je pense pas. Je sais qu'il y avait. Ah non, là, ici, c'est les. C'est les taches de. C'est les blood. Là, on utilise un pack de textures alien, qui est très pratique. Et en gros, dans certains packs, tu as plusieurs trucs. Et je sais qu'il y a un pack. Avec je crois yeux. Que c'est celui de dragon avec des yeux dedans, qui sont sympathiques. Ok. Qui sont pas là. Pas très grave, un œil blanc, c'est sympa. C'est pas du tout parce que j'ai pas de. Alors, ici. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, skin face, c'est sympa. Ouais, ça m'a l'air sympa. Riche. Human sample. On va voir un truc un petit peu dark. Tu mets un petit peu de sang aussi dans la gueule, un peu là? Je vais essayer, ouais. Ça peut être sympa. Hop. Elle est énervée, ici. Bouvin. Donc là, c'est assez basique, c'est tout simple. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de côté rose là, un peu sur les joues, sur le bout du nez, normalement. Mm-hmm. Bon, après, là, du coup, il n'y a qu'une tête, hein, mais ouais. Faut pas trop regarder. Alors, parce qu'au final, on verra pas ses yeux, c'est pour ça que Paul ne s'est pas fatigué à travailler non plus. Voilà, c'est ça. Toujours travailler par rapport à ce que. On verra à l'image. On verra à l'image. Ça sert à rien de se tuer à la tâche, à faire des choses qui ne te verront pas. En effet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, du coup, je vais dans le matériel. Et là, on a des skins. Alors, on va peut-être pas. Ah oui, il y avait le zombie skin qui était marrant. Il y a des petites bubbles. Je pense qu'on va prendre celui-là. Il est un peu plus sympa. Il est rigolo. Ah, donc là, ça ne se voit pas. Quand est-ce qu'il sera ajouté dans la suite Adobe Substance? Absolument aucune idée. On ne le sait pas. Quand je le saurai, vous inquiétez pas, je vous le dirai. Mais pour l'instant, c'est trop nouveau encore et ils doivent. Je pense gérer beaucoup de choses sur comment on va faire ça. Sympa. Hein. Petite varicelle, quoi. Petite varicelle. On va peut-être baisser l'intensité. Baisser ouais. Normal intensity. Ouais. T'as, c'est une lépreuse. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être pas là. Ça doit être la 8 range. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Mmh. On va quand même un tout petit peu moins. C'est très précis. Hop, voilà, là c'est sympa. Ici on a notre base. Celui-là, on va le dupliquer, donc CTRL D. Hop, on va venir mettre un truc un petit peu plus rosé. Juste par ici. Et tu vas faire un masque et peindre. Un masque, black mask. Et ici, on va mettre du coup un paint layer. Tac. On va venir prendre notre petit brush. On va prendre un brush basique. Tac, tac. Et là, bah, c'est parti. Hein. Oh là, la couleur n'est pas incroyable. Hein. La couleur n'est vraiment pas incroyable. Là, on va faire un petit truc. N'importe quoi, Paul Gros.obj. Hop. On retourne là. On va essayer de récupérer un truc un peu plus. Voilà, tu étais dans les violets bizarres. Si je fais un truc un peu plus comme ça. Voilà, ouais, c'est un peu plus naturel. On va baisser dedans. Le flow aussi. On va faire en sorte que ce soit bien. Tac. Alors, le flow, on va le diminuer. Et. Il te reste 7 minutes, Paul. Ça devrait le faire. Donc, on vient. Tac. Peindre un petit peu les lèvres. C'est sympa. C'est juste pour avoir quelques petits détails de loin. Ensuite, un on petit va peu de sang sur la gueule après. Hop. Tac. Les joues un petit peu roses. Elle doit quand même être un minimum mignonne, même si elle tue des gens. Et le bout du nez, hop, c'est à la coluche. Ensuite, on vient mettre un matériel. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Bon, là, je le refais, j'ai pas fait de. De CTRL-C, CTRL-V. C'est pas grave. Le matériel, ça va assez vite. Tac, c'est sympathique. Elle est faite de ketchup. Un bon ketchup mayo. Hop, on descend aussi ça. Tac, un black mask. Et on va mettre un petit noise, parce que les noise, c'est joli. Hop. Ah ouais, tout de suite, ça. C'est sympa, ça donne un petit effet un petit peu grungy, cool, hein. Un peu plus sale. On a sale, hein. J'aimerais comme pas ça, être dans la même pièce qu'elle. Hein. Tac, on va mettre un petit peu de dirt aussi, parce qu'elle doit être sale, à force de rester dans son monstre. Hop, tac. On revient faire comme tout à l'heure, vous êtes habitué. Les bons générateurs. Tac, tac, tac. Et là, par contre, on va mettre
De la dirt. Très bien. Très bien, ça a mis autre chose. C'est pas grave. Dirt. Très bien. Trop fort. C'est pas du tout ça. Ah oui, ça c'est... a supprimé le masque en fait. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Non, non, il était juste le dirt était trop fort, je pense. Parce qu'elle est dans le monstre, tu sais. Ah oui. Du coup, tu dois baisser le dirt level, je pense. Oui, voilà, ça va pas être pratique. Hein. Tu vois, là, c'est la visière, en fait. Ça va pas être de pratique. Quand il y a... Ouais, voilà, ça va être pas de pratique du tout. Donc, le dirt serait une mauvaise idée. Effectivement, bah là, on peut aussi aller là-dedans, faire un paint layer par-dessus le dirt, venir mettre ta couleur en noir au lieu du blanc, et venir peindre avec un brush dirt pour enlever les zones que tu les veux. Les zones que je ne veux pas. D'accord, ouais. Tac. Ça. On garde un petit peu les trucs sur les oreilles, sur le menton, c'était sympa. Et là, au moins, on enlève. Elle fait partie, très peur. Hein. C'est vrai qu'elle a pas l'air très, c'est très agréable. Cool, hein. Happy Halloween. Hein. C'est ça. Hop, elle est mignonne. Tac. Si on a envie d'être un peu. On peut aller dans Alpha. Pour retrouver nos petits brushes de tout à l'heure, ils étaient sympas. Mettre des petites couleurs. Celle-là. Et là, par exemple, vu que ça me fait un truc bizarre, je peux aller sur ma. Fou. Ça fait encore plus peur là. Ouais, là c'est sympa. Hein. Oh. Petite hérédité là. Tac. Alors non, pas du tout. Ah, ah oui. Le fameux. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'éditeur. Donc le size editor, on l'enlève. Le flow, on l'enlève. L'angle, on l'enlève. Et la position, on l'enlève. Et là. Ouf. Très cool. Hein. Elle a 10 fois la même goutte. C'est ça. Si tu peux changer, mettre d'autres trucs. C'est à ta convenance. Bon, là, c'est moche. Mais si tu veux, tu peux mettre des petites, ouais, des petites gouttelettes de sang. C'est ça. Elle fait bien peur, hein, la petite boue là. Pas cool. Hein. Ensuite, on revient avec un truc. Voyons le résultat un peu. Qu'est-ce que ça donne? Tac, tac, tac. Il manque le plus stylé. D'accord. Et ben voilà. Là, on arrive à un résultat. 57. Sympathique. On peut dire que c'est terminé. Il nous reste quoi? Tu vas retravailler un petit peu avant le live de ce soir un peu? Oh, il y a moyen que je retravaille vite fait, mais en vrai, on est déjà pas trop mal. Hein, je pense. Ah, bah c'est cool. Hein. Bah écoutez, là, le résultat qu'on a. Ah oui, le IRA. Fais un petit sauvegarde. Un petit peu. Ah oui, ça peut être sympa. On n'a toujours pas sauvegardé. Bah là, c'est la version rendu, ouais. C'est la version rendue de pour de donner une petite idée de comment les comment le matériau va réagir. Là après on peut choisir bien. Un peu, on a plein de paramètres, c'est assez sympa. Je vous laisserai, il doit y avoir plein de tutos sur YouTube, ouais. Qui expliquent sûrement beaucoup mieux que moi. Très très cool. Et ben voilà. Voilà, c'est super, le résultat est très cool. Et vous voyez que la façon de travailler de Paul est très efficace. Avec Substance, ça marche très très bien. Et qu'en très peu de temps, en moins de 45 minutes, on arrive à avoir un premier résultat. Ouais, un truc très cool. Faudra retravailler un petit peu par derrière. Mais voilà, c'est ça. Mais là, franchement, tu mets ça avec de jolies lumières et tout, et ça marche. StoryX qui nous dit c'est très réussi en tout cas. Ben, c'est très gentil, ouais, merci. Pour Paul. Et j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin de ce live. Il reste 2 minutes. On est tellement dans les temps, c'est incroyable. Ça, si vous reste quelques petites questions. Si vous avez des questions, allez-y. C'est avec grand plaisir que Paul y répondra. Tout à fait. Tout à fait. Je suis ravi. Je suis ravi. N'hésitez pas. On espère aussi que ça vous aura plu et que vous avez découvert un peu cet univers de Substance. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, c'est pratique. Hein. C'est trop cool. C'était trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamila. Daniel, très sympa. C'est super cool. Bravo Paul. Merci. Eh ben, c'était super. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce live pendant plus de 1 heure. Donc c'est très cool. Et on se retrouve, nous, sans doute, la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau live de qualité sur la chaîne de Adobe France. Tommy qui nous dit super, en tout cas les gars, merci encore. Eh ben, super. Content que ça vous ait plu. Ouais. Eh bien, j'espère que la présence de notre ami Paul Gros vous a plu. Et on le retrouvera peut-être, qui sait, à l'avenir sur Adobe pour des prochains lives, faire d'autres choses. Absolument. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc semaine prochaine et allez découvrir le travail de Paul sur Instagram, paulgros.obg. Il fait du taf très cool. Merci. Donc, et si vous êtes intéressé de voir l'image qu'on va faire ce soir avec la texture et le modèle, ça sera sur mon compte Twitch @tom_visual. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une très bonne après-midi.
Et on se dit à la prochaine. Allez. Salut. Salut. Ciao, ciao.